Bonjour. Quand ici, tout le monde, on se plaint que les hommes ne payent pas maison. Les hommes ne payent pas maison. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, je vivais dans ma colocation tranquille, au calme. J'ai vu la go, on s'est marié. Quand on s'est marié, il dit qu'il ne peut pas rester dans la colocation. Quand il lui a dit qu'il est venu vivre avec elle, on a parlé tranquille, il est venu vivre avec elle. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand il s'est venu, elle m'a dit la maison là, elle paie à 860 euros. 860 euros avec toutes les charges qu'elle paie à 860 euros. Elle m'a dit que on dit chez les musulmans, elle est musulmane, je suis musulman, je m'appelle Bakari. Elle m'a dit de payer la maison. Moi, il doit payer toutes les charges. Il dit non, il n'y a pas de problème. Si elle reste dans ma colocation, je ne peux pas payer la maison. Donc, j'ai laissé ma colocation pour ne pas gérer les deux maisons. C'est pour ça qu'elle est déménagée chez elle. Et je lui ai dit, il faut me déclarer. Elle me dit d'attendre un peu, qu'elle a des choses à faire, elle va régler ça. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Depuis 5 ans, je paye 860 euros. Des fois, elle me dit à 10 euros qu'elle est montée. Des fois, elle me dit à 15 euros qu'elle est montée. Je dis, c'est pas grave, je paye. Je lui donne 300 euros chaque fin de mois pour sa popote. Regardez. Quand je lui demande bulletin de maison, quittance, elle m'a jamais présenté quittance de maison. Jamais. 5 ans, j'ai tout fait. Je fouille souvent derrière elle dans la maison, je ne vois pas quittance. Vous avez compris? J'ai trouvé avec 2 enfants. On a eu un enfant. Depuis 5 ans, on a eu un enfant. Ça fait 3 enfants qui sont dans la maison. Dieu merci, j'y suis arrivé. Je trouve le facteur, il vient me mettre enveloppe dans le cou, dans le truc de la boîte. Hey Dieu, j'ai tout mal. Je trouve le gars de la poste. Il veut déposer courrier dans la boîte là. Il lui a dit que c'est ma boîte. Il m'a donné le courrier. J'ai ouvert le courrier. J'ai vu ces courriers de la maison. J'ai ouvert le courrier. La maison là, on paye 310 euros. 310 euros. Moi, il paye 860 euros depuis 5 ans. Souvent 875, souvent 870. Je paye ça depuis 5 ans avec elle. Je lui ai tout dit de me déclarer. Elle n'a jamais voulu me déclarer. Jamais m'a déclaré. Toujours quand il n'y a pas de déclaration, elle m'envoie les discours, façon, on dispute, ça devient palabre dans la maison. Donc j'ai laissé tomber au calme. Je suis là, il veut au travail, il fait ce qu'il peut faire dans la maison. Voilà le bulletin qu'elle a. Voilà quittance de maison. Quittance de maison, je paye 300 euros. Quittance de maison. Alors que tous les mois, je paye 860 euros. 860 euros. Comment vous voyez ça? Mon bacan. Il y a même un post de ma vidéo. Elle est descendue pour jeter la poubelle. Je ne l'ai pas montré. Je suis rentré dans la chambre pour aller voir. J'ai soulevé le lit. Gars, c'est là-bas. On a quelque chose m'envoyé. J'ai soulevé le lit. C'est là que j'ai vu tous les courriers de maison. Il est pris. Voilà courrier. J'ai commencé à fouetter le courrier. Voilà, attendez. Elle arrive. C'est elle qui a la porte là. C'est elle qui a la porte là. Allô, bébé? Oui, pourquoi? Faut me lire ça. Allez, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Je veux que tu lis ça. C'est la quittance. C'est la quittance de où? De la maison. Quelle maison? Mais il t'a donné ça. Non, moi, il te demande c'est la quittance de quelle maison? Non, moi, il te demande c'est la quittance de quelle maison? De la maison. De quelle maison? J'ai plus rien quoi même. Pourquoi il y a quoi? Non, il te demande. Mais tu sais cette quittance de maison? Mais de quelle maison? Moi, Je sais pas, je sais pas. mais comment tu sais pas? Faut lire le Je nom sais qui. pas, je sais Mais pas. c'est quel nom qui est sur quittance là? Ah, mais toi tu sais ni non, faut lire. Mais moi, il t'a donné, il dit c'est quoi? C'est quoi que tu le Moi je suis? sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais toi, tu m'as dit que la maison en paye combien? C'est où ils sont? C'est combien qui est écrit sur le papier là? J'ai regardé tout ça. J'ai vu tout le courrier là. J'ai vu tout le courrier là. Ça fait combien d'années que je suis avec toi? Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble. Et alors? Tous les jours. Non, tu ne me parles pas comme ça. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tous les jours, je te dis dans la maison, il faut me déclarer. Tous les jours, qu'est-ce que tu me dis? Quand je te dis, il faut me déclarer sur la maison. Tu me dis non, d'attendre, tu as ça, tu as Mais ci. est-ce que je suis obligée de déclarer? Donc, tu n'es pas obligé de me Je déclarer. suis pas obligée.
Donc, moi, il est venu, je suis dans la maison, moi, il va travailler, il paye seulement la mais maison. Mais ça fait quoi si tu payes tout? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais c'est combien il paye la maison là? Il paye 860 euros. Depuis 5 ans, toutes les factures sont là. Sinon, la maison est combien? La maison est 800, non? Mais c'est 800. Oui. Mais c'est combien on paye? C'est 800. Sur facture, c'est combien qui est écrit? C'est que sur la maison, c'est 800. Je ne t'ai pas monté sur ça. Mais la maison là, c'est 800 euros, 860 euros. Oui. Mais nous, on paye comme les chaffes de moi. J'ai dit c'est 800 la maison. C'est 300 qui est là, 300 qui est là. Même si c'est 300, mais la maison coûte, c'est 800. Je suis obligé de me déclarer. Je ne suis pas obligé. Donc, moi, je suis venu, je suis dans la maison, moi, il va travailler, il paye seulement la mais maison. Mais ça fait quoi si tu payes tout? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais c'est combien je paye la maison là? Je paye 860 euros. Depuis 5 ans, toutes les factures sont là. Sinon, la maison est combien? La maison est 800, non? Mais c'est 800 ou? Oui. Mais c'est combien on paye? C'est 800. Sur facture, c'est combien qui est écrit? C'est que sur la maison, c'est 800. Je ne t'ai pas monté sur ça. Mais la maison là, c'est 800 860 euros. Oui. Mais nous, on paye comme les chaffes de moi. J'ai dit c'est 800 la maison. C'est 300 qui est là. 300 qui est là. Même si c'est 300, mais la maison coûte, c'est 800. Donc, moi, donc toi qui es devenu bailleur maintenant, quoi? C'est que sur c'est 800. Bah, moi, 800, moi qui paye, moi qui paye 860 euros, toi tu payes 300 euros à bailleur. Tu payes 300 euros à bailleur. Moi, tu donnes 800 quelques euros. Je te donne l'argent en France pour papa. Pardon, j'ai mal à la tête. J'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler. La maison coûte combien? C'est ça le problème. La maison coûte 300 euros. C'est 800. C'est 800 le bailleur. Pardon. Tu joues avec ma gamme. Oui. J'ai l'air de m'amuser. Mais moi, je n'ai pas dit le contraire. Mais pourquoi tu te fous de ma gueule? Je me fous pas de toi. Mais si tu te fous de moi, tu te fous de ma gueule. Les factures sont là, toutes les factures sont là. Les factures sont là. Tout est... faut pas je te donne. Toutes les factures. Oui, je te donne tout. Toutes les... Ah, mais Simon, ni la Simon, ni Simon, ni ça a été combien dans les factures là? 310 euros, 320 euros. Qu'est-ce que tu me dis? Mais déjà, pourquoi tu fouilles derrière moi? Pourquoi je ne fouille pas? Tu fouilles derrière moi. Mais pourquoi je ne fouille pas? Non, je ne donne pas ce droit là. Je ne donne pas ce droit là. Mais tu es malade quand même. Je ne donne pas ce droit. Est-ce que tu es normal? Aïe. Est-ce que tu es normal? Le virement, ça passe chez qui? C'est chez moi, non? Tu me donnes les 800, c'est tout. Ça s'arrête là. Tu me verses les 800, ça s'arrête là. Donc moi, il te verse 800. Alors que la maison est 300. Mais la maison est 800. C'est vrai qu'elle a 4 mais la maison est 800. Est-ce que je suis obligé de dire qu'elle a 4 francs 30 euros. Oui. Mais nous, on paye comme les chaffes de moi. J'ai dit c'est 800 la maison. C'est 300 qui est là. 300 qui est là. Même si c'est 300, mais la maison coûte, c'est 800. Donc, moi, donc toi qui es devenu bailleur maintenant, quoi. C'est quel souci, c'est 800. Bah, moi, 800. Moi qui paye, moi qui paye 860 euros. Toi, tu payes 300 et 15 euros à bailleur. Tu payes 300 euros à bailleur. Moi, tu donnes 800 quelques euros. Je te donne l'argent en France pour papa. Pardon, j'ai mal à la tête. J'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler. La maison coûte combien? C'est ça le problème. La maison coûte 300 euros. C'est 800. C'est 800 le bailleur. Pardon. Tu joues avec ma gamme. Oui. J'ai l'air de m'amuser. Mais moi, j'ai pas dit le contraire. Mais pourquoi tu te fous de ma gueule? Je me fous pas de toi. Mais si tu te fous de moi, tu te fous de ma gueule. Les factures sont là, toutes les factures sont là. Les factures sont là. Faut pas, je te donne. Fait. Toutes les factures. Oui, je te donne tout. Tout est. Avec Simon, ni la Simon, ni Simon, ni ça a été combien dans les factures là? 310 euros, 320 euros. Qu'est-ce que tu me dis? Mais déjà, pourquoi tu fouilles derrière moi? Pourquoi je ne fouille pas? Tu fouilles derrière moi. Mais pourquoi je ne fouille pas? Non, je ne donne pas ce droit là. Je ne donne pas ce droit là. Mais tu es malade non, quand même. Je donne pas ce droit. Est-ce que tu es normal? Aïe. Est-ce que tu es normal? Le virement, ça passe chez qui? C'est chez moi, non? Tu me donnes les 800, c'est tout. Ça s'arrête là. Tu me verses les 800, ça s'arrête là. Donc moi, il te verse 800. Alors que la maison est 300. Mais la maison est 800. C'est vrai qu'elle a 4 francs, mais la maison est 800. Est-ce que je suis obligé de te dire qu'elle a 4 francs non, aussi? Non, non, c'est pas grave. Est-ce que moi, je suis non, c'est bon. Tu as refusé de me déclarer. Ça fait 5 ans, je parle de ça. Tu dis tu me dis toujours, tu me sors le coq à l'âme, tu ne me déclares pas dans la maison. J'ai quitté ma colocation quand il venait chez toi. N'est-ce pas? Il t'a dit qu'il ne pouvait pas payer la guerre. Maintenant, il paye chef de moi 800 quelques euros. Tu me prends combien pour papa? 350 euros. Ça fait de moi. Donc, alors que la maison fait 300 euros. Donc c'est moi qui suis maudit. C'est ça? Donc c'est moi qui suis maudit. C'est-à-dire que c'est moi qui suis maudit. C'est ça? Je n'ai pas dit c'est moi qui suis maudit. Non, mais moi je suis maudit. Je suis obligé de te déclarer. Je suis obligé de te déclarer. On vit ensemble, c'est tout, ça s'arrête là. Ça va être dans le cinéma. Nous, c'est du tout. Ça va aller. On va faire un cinéma. Ça va aller. Pourquoi m'énerver, pardon? Pourquoi m'énerver? Non, c'est bon. C'est pas en fait. Moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je prends mes bagages. Tu vas aller où? Moi, je prends mes bagages. Moi, je pense que c'est un mariage qu'on fait. Moi, on est marié? Non, non. On moi, est marié, non. Moi, mon rôle, mon rôle d'homme, c'est de veiller sur vous.
Mais je ne savais pas que toi, tu pouvais me voler pendant 5 ans. Tu te voles. Tu pas. Me voles. Tu te voles. Ok, pas. 300. Je paye 860 euros. Le reste, là, maison, c'est 300 euros. Bon, supposons que la CAF ne prenait pas. Toi, tu allais faire quoi? Tu allais payer, non? Donc, si la CAF paye là-haut, toi, là, l'argent que la CAF donne là-haut, c'est pour toi et moi et les enfants, ou bien c'est pour toi seul? Ça, c'est pas le sujet. Donc, c'est pas ça, le sujet. Donc ce que CAF prend comme ça part et appelle, donc, toi, tu ne dis pas ça dedans, moi, je paye ça encore. Moi, je paye. La CAF prend ça pour nous aider, pour qu'on puisse en sortir. Moi, je paye encore. Moi, je paye 860 euros. Toi, tu donnes 300 euros. Laisse-moi parler si tu payes. Toi, tu payes 300 euros pour ta maison. Moi, je paye 860 euros. Donc, chaque mois, toi, tu me voles 350 euros. 360 euros. Chaque mois. Chaque mois, tu me voles 360 euros. Et puis, tu es fier de ça. Donc, à quand t'es? Comment irait Bekaï? Aïe! Non. Comment Kaï? Moi, je ne discute plus avec toi. Je ne veux plus même que tu me détailles. À quand irait Bekaï? Non, tu n'y en a qu'au fou le mec. Qui est stramalé? Moi, je ne savais pas que oui, toi qui veux profiter de moi. Mais moi, à quand est-ce que tu es parti, quoi? Oui, il est parti. Oui, il est parti. Il est parti. Moi, il est parti de cette fois. Parce que moi, je suis une femme voleuse. Tu es une femme voleuse. Tu es une femme voleuse. Voilà, et puis là, tu es voleuse. Il te mourrait dans ma vie. Voilà, il te mourrait dans ma vie. C'est pas grave. Il te mourrait dans ma vie. C'est pas grave. Mais Allah le bénisse. Allah le bénisse. Allah le bénisse. Dieu va te payer. Dieu paye tout le monde.